إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 138 dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan du livre Kitab al-Tawhid. Et on a commencé la semaine passée le chapitre qui parle de al-Qadar, bab ma ja'a fi munkir al-Qadar, c'est-à-dire à propos des gens qui nient al-Qadar, et c'est le chapitre 60 dans le livre Kitab al-Tawhid. Avant de commencer, j'aimerais juste rappeler un petit point qui est important, juste qui n'est pas relié directement avec le sujet dont on est en train de parler, mais ça a un lien quand même, même si c'est pas relié directement, c'est relié avec la fitna qu'on peut subir dans notre foi et dans notre religion par rapport aux ruses, puis par rapport aux insultes qu'on peut recevoir à cause de notre religion. Et c'est juste pour nous rappeler en même temps que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. C'est-à-dire sois patient et endure ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux d'une belle façon. Donc ça veut dire allez, laissez-les insulter, laissez-les dire ce qu'ils disent contre l'islam et contre les musulmans. Allah va les juger, Allah va s'occuper d'eux, soit dans cette dunya ou soit dans l'au-delà. Mais il ne faut pas se laisser affecter par leurs insultes, par leurs moqueries et par leurs ruses, parce que eux, ce qu'ils veulent justement, c'est ça, c'est provoquer l'islam, provoquer les musulmans et insulter l'islam pour les faire réagir d'une façon qui n'est pas sage, qui est incorrecte, qui est contraire à l'islam, puis par la suite utiliser ces comportements-là et ces réactions-là pour salir l'image de l'islam et des musulmans. Donc nous on ne va pas rentrer dans leur jeu, Inch'Allah, on va faire preuve de sagesse et d'intelligence et de foi et de, Inch'Allah, de retenue. Donc on va pas réagir à leurs propos insultants et à leurs provocations, Alhamdulillah. On va les laisser dans leur jeu, s'ils veulent jouer, qu'ils jouent toutes seules. Nous l'important, nous, qu'est-ce qui compte pour nous, c'est d'apprendre notre croyance, d'apprendre notre religion, et de se rappeler de ce que notre Créateur veut de nous. Donc le Cheikh il dit ici, maintenant on a expliqué le premier point dans la foi, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite on a expliqué que le deuxième article de la foi, c'est la foi en les anges. Ok, maintenant on va expliquer le troisième pilier de la foi, c'est la foi en les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Iman ou Bil-Kutub. Le Cheikh il dit وكتبه وهي الكتب التي أوحاها الله تعالى إلى رسله مثل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم إلى غير ذلك من الكتب التي ينزلها الله على رسله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. فيها أوامر الله ونواهيه وفيها إصلاح البشرية. فمن لم يؤمن بالكتب من أولها إلى آخرها فإنه كافر. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلا بد من الإيمان بجميع الكتب. فمن لم يؤمن بالكتب أصلا وهم الدهريون والوثنيون
فهم أكثر الخلق ومن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها كاليهود والنصارى فهم كفار أيضا أما إنما الإيمان هو الإيمان بجميع الكتب من أولها إلى آخرها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فالذي يكفر بكتاب واحد من كتب الله يكون كافرا بالجميع. Ok, donc en ce qui concerne la foi en les livres, ça c'est le troisième pilier de la foi. Le cheikh il dit que les livres, c'est-à-dire les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a révélés à ses messagers, comme par exemple at-Torah, la Torah, al-Injil, l'Évangile, al-Qur'an, le Qur'an, et al-Zabur et Suhuf Ibrahim. Al-Zabur, c'est les livres qui ont été la révélation qui a été donnée à Daoud alayhi salam. Et Suhuf Ibrahim, c'est les feuilles d'Ibrahim, c'est-à-dire les révélations que Ibrahim a reçues. Et ainsi que d'autres livres également que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à certains de ses messagers par l'intermédiaire de Jibril, alayhi salatu wassalam. Et dans ces livres-là, il y a les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses interdictions qui sont pour le bien-être de l'humanité. D'accord? Et le cheikh, il dit, quiconque ne croit pas aux livres que Allah a révélés, du premier jusqu'au dernier, alors il est kafir, il est mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, le verset 136, dites, nous croyons en Allah, et ce qu'il a révélé à nous, les musulmans, et ce qu'il a fait révéler à Ibrahim, ce qu'il a révélé à Ibrahim, et à Ismaïl, et à Ishaq, et à Yaqub, et ainsi qu'aux tribus, et ce qu'il a donné à Moïse et à Jésus, et ce qu'il a donné aux prophètes, à tous les prophètes, hein, ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous sommes soumis, nous sommes musulmans pour Allah, nous sommes soumis à Allah, c'est-à-dire nous sommes nahnu lahu muslimun, on est musulmans. Donc les cheikhs ils disent, il faut absolument donc avoir la foi en tous les livres que Allah a révélés, sans exception. Et quiconque ne croit pas au livre à la base, c'est-à-dire en partant, il ne croit pas au livre du tout, à aucun livre, cela c'est ce qu'on appelle al-dahriyoun, al-wataniyoun. Il y a des peuples parmi les hommes sur la terre qui ne croient en aucune révélation et en aucun livre saint ou sacré. Hein, ce sont ceux qu'on appelle al-dahriyoun, c'est-à-dire c'est comme des animistes ou des gens qui croient uniquement hein, que c'est le temps qui fait avancer les choses et puis c'est tout, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de créateur, il y a seulement la matière qui se transforme, hein, un peu comme les Grecs de l'Antiquité par exemple, ils ne croyaient pas nécessairement à un prophète ou à une révélation d'un Dieu, mais ils se basaient plutôt sur des philosophies ou des idéologies qu'ils avaient développées, qui étaient basées sur des mythes et des choses de ce genre, donc ce sont des gens qui n'avaient pas de livres, ok. C'est comme un peu aussi comme aujourd'hui, par exemple, je sais que chez les Vaudouisans, par exemple, ils n'ont pas de livres. Ils font juste pratiquer certains rituels et certaines pratiques religieuses qu'ils ont, mais ces pratiques-là ne sont pas basées nécessairement sur un livre qui est écrit. Ce sont des choses qui sont transmises oralement, mais qui ne sont pas écrites nécessairement. Donc, ils n'ont pas un livre sur lequel ils se basent pour pratiquer leurs croyances et leurs pratiques religieuses. Donc, ça c'est des gens qui n'ont pas de livres et qui ne croient pas en des livres. Et le cheikh il dit, ce sont les pires mécréants. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh il dit, ce sont les pires mécréants. Akfar al-khalq. Et ensuite il dit, en dehors de cette catégorie-là, des gens qui ne croient pas aux livres du tout, il y a une autre catégorie qui croit en certains livres, puis qui rejette les autres. Vous savez, ils ne croient pas en tous les livres au complet. Ils croient juste en certains livres, parmi les livres que Dieu a révélés. Et donc, ceux-là, c'est les juifs et les chrétiens. Ça, c'est parmi les exemples de ces gens-là. Non. Donc, eux, ils croient, par exemple, à leurs livres à eux, mais ils ne croient pas aux livres, aux autres livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, les juifs ne croient pas en l'évangile, et ils ne croient pas au Coran, et les chrétiens, eux, ne croient pas au Coran, ils ne croient pas en les chrétiens ne croient pas au Coran, donc ils reconnaissent certains livres et puis ils rejettent des autres.
Donc nous les musulmans, on est obligés de croire en tous les livres, sauf qu'il faut bien comprendre un point en même temps, c'est que quand on dit qu'on croit aux livres, il faut bien comprendre que c'est pas ces livres-là qui existent aujourd'hui chez les chrétiens et les juifs, ce ne sont pas en ces livres-là qu'on doit croire. On doit croire aux livres qu'Allah a révélés au prophète Moïse et au prophète Isa, alayhi salatu wassalam, sauf que ces livres-là n'existent plus aujourd'hui. Ils ont été changés et falsifiés par les gens, par les moines, par les rabbins, ainsi de suite. Puis, non seulement ça, mais c'est que même s'ils étaient restés dans leur forme authentique et originale, le Coran est venu abroger tout ce qui était révélé auparavant. Donc, il n'y a plus d'autres révélations qu'on peut suivre aujourd'hui en dehors de la révélation qui est le Coran et la Sunna qui est venue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est des points importants à mentionner à ce sujet-là, parce qu'il y a des gens qui jouent parfois à, avec ce point-là, et ils vont mentionner un verset à moitié, ils vont dire le verset dans Surat Al-Ma'idah qui dit « Ya ahlal kitab, ilastum ala shay'in, hatta tuqimu tawrata wal injil » Donc ils vont dire « Oh vous les gens du livre, vous ne vous tenez sur rien jusqu'à ce que vous ayez établi la Torah et l'Évangile. » Et ils citent ce verset-là et ils arrêtent. C'est-à-dire, ils vont pas jusqu'à la fin du verset. Parce que juste après ça, Allah dit, وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Hein, ça veut dire, et qu'est-ce qui a été révélé sur vous de la part de votre Seigneur? C'est-à-dire, le Coran. C'est-à-dire, tant que vous ne suivez, tant que vous n'avez pas établi la Torah et l'Évangile, et ce qui a été révélé pour vous de la part de votre Seigneur, c'est-à-dire le Coran. Hein. Et juste après ça, il dit, وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا. Et ce qui a été révélé pour toi de la part de ton Seigneur va les augmenter ou va augmenter beaucoup d'entre eux en transgression et en mécréance. Donc ça veut dire que, il faut pas penser que dans ce verset-là, il y a seulement la mention que les gens du livre doivent croire en la Torah et l'Injil et puis que c'est suffisant pour qu'ils soient corrects. Ils doivent croire également au Coran, sinon ils ne seront pas des croyants. Et il ne faut pas mentionner des versets comme ça à tort et à travers, prendre une partie du verset puis couper le reste pour justement déformer le sens du verset ou cacher aux gens la réalité du sens de ce verset-là. Ça, c'est une attitude vraiment injuste et malhonnête envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite, le cheikh il dit qu'on doit donc croire en tous les livres, du premier au dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 85 dans Surat Al-Baqarah, est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous rejetez l'autre? Et quelle autre récompense aura celui qui fait une chose pareille, excepté qu'il aura l'humiliation dans cette vie d'ici-bas? Donc le chef il dit, quiconque rejette la foi en un seul des livres que Allah a révélé, eh bien c'est comme s'il a rejeté et qu'il a mécru en tous les livres que Allah a révélés. Ensuite, le cheikh dit « wa rusulihi », c'est-à-dire qu'on doit avoir la foi en les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. En les messagers que Allah a révélés, ça c'est le quatrième article parmi les articles de la foi. Donc, le cheikh il dit « wa rusulihi », « wa kazalika yajibu l'iman bi jami'i rusul, min awalihim ila akhirihim ». Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohamed, كيف الحال؟ بخير. الحمد لله. الشيخ الذي ورسله كذلك يجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. من سمى الله منهم ومن لم يسم. نؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. كحالة اليهود والنصارى الذين يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم واليهود يكفرون بعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام وكذلك من لم يؤمن بالرسل أصلا كالوثنيين والدهريين والملاحدة فهم أغرق في الكفر وأبعد في الكفر والعياذ بالله. Donc en ce qui concerne la foi en les messagers, le cheikh il dit qu'il faut croire en tous les messagers que Allah a envoyés, du premier jusqu'au dernier, que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné,
ceux que Allah a mentionné et ceux qu'il n'a pas mentionné. Parce qu'il y a des messagers qui sont mentionnés dans le Coran, qui sont mentionnés dans les livres. Toutefois, il y en a d'autres messagers qui ont été envoyés à d'autres peuples dont on n'a pas de référence, on n'a pas de mention de ces prophètes-là et de ces messagers-là dans les révélations. Donc, il faut croire de façon générale en tous ces messagers-là, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas, et en particulier ceux qu'on connaît dans la révélation, il faut obligatoirement croire en tous les messagers. Le chef, il dit que quiconque rejette la foi en un seul des prophètes de Dieu et un seul des messagers, alors il est kafir. Il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et en la religion, comme le cas des juifs et des chrétiens. Hein? Les juifs et des chrétiens, parce que tous les deux ont rejeté la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc ils sont des kuffars à cause de ça. Et également, le fait que les juifs en particulier, eux, ont mécru non seulement à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais également, ils ont rejeté la foi en Isa alayhi salatu wa sallam. Toutefois, nous les musulmans, on croit en Isa, on croit en Moussa et on croit en tous les autres messagers qu'Allah a envoyés, qui sont mentionnés dans le Coran ou qui ne sont pas mentionnés. Ensuite, le cheikh il dit, et de même que il y a d'autres koufars, en dehors des juifs et des chrétiens, qui ne croient à aucun prophète du tout, et aucun messager, comme par exemple les wasaniyyin, ceux qui adorent des esprits ou des idoles ou des choses de ce genre, qui n'ont aucun prophète, ou bien les ad-dahriyoun, comme par exemple les gens qui croient, qui adoraient les étoiles par exemple, ou bien qui adoraient, comme les Grecs de l'Antiquité par exemple, qui ne croyaient pas nécessairement en un prophète ou un livre. Ils faisaient juste croire comme ça que la matière ou l'univers, hein, ou comme les bouddhistes. Hein, les bouddhistes ne croient pas nécessairement à un prophète ou à un messager. Hein, c'est des exemples. Et ensuite, également, il y a les athées. Les athées qui ne croient en aucun dieu, en rien, hein, ne croient pas en une révélation dans un livre ou à un prophète ou à un messager. Donc ceux-là, c'est les gens qui sont encore plus noyés, encore plus profondément dans la mécréance et encore plus loin et égarés dans la mécréance, que Allah nous protège. Donc ça, c'est les catégories de kufr par rapport aux messagers d'Allah, dans le sens que les kuffars par rapport aux messagers sont en différents degrés, selon le fait qu'ils croient ou non à un ou à plusieurs prophètes. Mais de toute façon, même s'ils croient en certains et en rejettent d'autres, ils sont des kuffars, parce qu'on doit croire en tous les messagers pour être un croyant, sinon on n'est pas un croyant. Le cheikh il dit ensuite, wal yawm al-akhir, يوم القيامة يجب الإيمان باليوم الآخر وهو ما بعد الموت مما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أحوال البرزخ ثم البعث والنشور والقيام من القبور ثم الوقوف في المحشر وعليكم السلام ورحمة الله ثم الحساب ثم الميزان ثم تطاير الصحف فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه وغير المؤمن يأخذ كتابه بشماله ثم المرور على الصراط ثم الاستقرار في الجنة أو في النار وهذا كله يشمل الإيمان باليوم الآخر فمن لم يؤمن باليوم الآخر فإنه لو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا جحد البعث واليوم الآخر كان كافرا بالجميع. Donc le cheikh explique en ce qui concerne la foi en le jour dernier. Le cheikh explique que au jour de la foi en le jour dernier, c'est la foi au jour de la résurrection. C'est-à-dire le jour où on va être ressuscité. Après notre mort, après que tous les êtres humains vont être morts complètement, il n'y aura plus aucun être humain qui va être vivant, Allah va faire ressusciter, va faire sortir de la terre tous les êtres humains qui ont vécu depuis le premier homme jusqu'au dernier. Tous les êtres humains vont revenir à la vie avec leur corps et ils vont être tous jugés. Hein, c'est ce qu'on appelle al-yawm al-akhir, le jour dernier. Et la foi au jour dernier, c'est qu'est-ce qui va arriver après la mort. Que le prophète, parmi les choses que Allah nous a informées, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça comprend tout ce qui se passe après, à partir du moment où on meurt.
C'est-à-dire, c'est pas seulement au moment de la résurrection, mais également à partir du moment où les anges viennent arracher notre âme de notre corps. Au moment de la mort, qu'est-ce qu'on appelle al-barzakh? Al-barzakh, c'est l'étape entre la mort, à partir de la mort jusqu'au jugement dernier, la période d'attente entre les deux. Cette étape-là, c'est un autre monde, une autre dimension qu'on ne connaît pas, qui s'appelle al-barzakh. Et c'est qu'est-ce qui se passe dans ce barzakh durant notre attente du jugement dernier, c'est ce qu'on appelle al-barzakh. Ça aussi, ça fait partie de la foi en le jour dernier, parce que ça fait partie des étapes de qu'est-ce qui se passe après notre mort. Et c'est pour ça que les ulama, souvent, ils distinguent qu'il y a deux jours, il y a deux résurrections, ou bien il y a deux, comme ils appellent, al-qiyamah, al-qiyamah al-kubra ou al-qiyamah al-sughra. Al-sughra, c'est le petit, hein, le petit jugement ou la petite résurrection, c'est-à-dire quand le moment où tu meurs, pas résurrection, et ça veut dire que c'est à partir du moment où tu vas mourir et jusqu'à ce que tu sois ressuscité. Et il y a al-kubra, donc la petite, c'est ta mort. Et c'est là, à partir de ce moment-là, c'est là que commence tes comptes. Et il y a le grand qiyama, c'est-à-dire là où tous les êtres humains sont ressuscités et qu'ils sont questionnés au jour de la résurrection, ainsi de suite. Donc, il faut croire en tout ce qui a été mentionné par Allah et par son messager à ce sujet-là, comme par exemple le fait qu'on va tous être ressuscités de nos tombes, et le fait qu'on va tous être debout, on va tous se tenir debout sur le lieu du rassemblement où tous les hommes vont être rassemblés sur une seule et même place. Puis ensuite, il y aura al-hisab, c'est-à-dire les comptes, hein, donc Allah va nous juger, et il y aura qu'est-ce qu'on appelle al-mizan, il y a une balance sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va déposer nos bonnes et nos mauvaises actions, et selon le poids de nos bonnes ou de nos mauvaises actions, c'est là qu'on va savoir de quel côté ça penche. Celui dont la balance penche du côté des bonnes actions, il aura le paradis, et celui dont la balance penche du côté des mauvaises actions, il aura l'enfer comme rétribution. Et ensuite, il y a les livres de nos œuvres qui nous sont remis. Hein, et donc, certes, les croyants vont recevoir leurs livres par la main droite, tandis que, les croyants vont avoir leurs livres dans la main droite, et ceux qui ne sont pas croyants, ils auront leurs livres dans la main gauche. Puis ensuite, il y aura la traversée du pont qui se trouve au-dessus de l'enfer, et qu'est-ce qu'on appelle As-Sirat en arabe, As-Sirat. Donc, alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit également en disant que c'est un pont sur l'enfer qui est plus fin qu'un cheveu et qui est plus affilé que la lame d'une épée. Et chaque personne va passer sur ce pont-là selon la foi qu'il a dans son cœur. Plus il a de foi, plus il va traverser rapidement. Et moins il a de foi, moins il va traverser rapidement. C'est pour ça que certaines personnes vont traverser comme une éclair. D'autres vont se traîner à quatre pattes, et ainsi de suite. Il y en a même qui vont tomber en bas dans l'enfer. Donc ça, c'est à propos de As-Sirat. Puis ensuite, il y a bien entendu d'autres détails qui sont pas mentionnés parce que c'est juste un résumé. Mais le cheikh dit que par la suite, il y aura soit que le fait que quelqu'un va rester dans le paradis pour l'éternité, ou bien dans l'enfer pour l'éternité. Bien entendu, ceux qui vont rester dans l'enfer pour l'éternité, c'est uniquement ceux qui ont fait le kufr majeur ou le shirk majeur. Toutefois, les gens qui ont commis des formes de shirk mineurs ou bien qui ont commis des péchés, des grands péchés ou des petits péchés, ceux-là, s'ils sont punis dans l'enfer, parmi les musulmans, ils ne vont pas rester éternellement en enfer. Ils vont rester seulement pendant un certain temps et par la suite, ils seront on va les faire sortir de l'enfer parce qu'ils ont eu la foi. Et même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui a une atome de foi va sortir de l'enfer. Donc il y a personne qui va rester en enfer excepté les mushrikines et les kuffars. D'accord? Ensuite, le chef il dit que quiconque ne croit pas au jour de la résurrection, alors il est kafir,
même s'il a cru à Allah, même s'il a cru aux anges, même s'il a cru aux livres et aux messagers, s'il a rejeté la foi en le jour dernier, alors il est kafir dans toutes les choses qu'on a mentionnées. C'est-à-dire, c'est pas nécessaire que tu rejettes la foi en chacun de ces points, de ces piliers de la foi, pour être un mécréant. Si tu rejettes un aspect d'un de ces piliers de la foi, c'est suffisant pour dire que tu n'es pas un croyant. Ensuite, le cheikh il dit وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ Il dit وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ c'est-à-dire que tu dois croire en la prédestination. Et le cheikh il dit وَهَذَا هُوَ مَحَلُّ الشَّاهِدِ وَهُوَ أَن تُؤْمِنَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ وَأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِي هَذَا الْكَوْنِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَذَلِ وَكَتَبَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وشاءه وأراده ثم خلقه وأوجده. Donc le cheikh il dit que on croit en la prédestination et c'est ça le but d'avoir mentionné ce hadith hein, de la part de Omar ibn Khattab qui était rapporté par son fils Abdullah ibn Omar lorsque les deux tabi'in sont venus lui demander la question au sujet de celui qui niait la prédestination. Eh bien, il leur a répondu à ce sujet-là en mentionnant ce hadith qui mentionne les six piliers de la foi, donc la foi en la prédestination. Et le cheikh il dit que il faut croire donc en ce qu'Allah a décrété et qu'est-ce qu'il a prédestiné. Et tout et de croire que ça implique quoi? Ça implique de croire que tout ce qui se produit dans cet univers, dans cette création, c'est selon la science que Allah a éternellement. C'est-à-dire c'est la science que Allah a depuis toujours. Allah a une connaissance éternelle de toutes choses. Et également, ça implique de croire que tout ce qu'il a su, il a écrit. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire tout ce qui va se produire jusqu'à la fin du temps, ça a été écrit dans un livre préservé, hein, dans une table préservée. Dans les tables, l'anche et le marcouz, on dit en arabe. Et ça implique également que tout ce qu'il a écrit et tout ce qui se produit dans l'univers, Allah l'a voulu. Allah l'a voulu. Donc, il n'y a rien qui se produit excepté que c'est selon sa volonté et en accord avec sa volonté. Puis ensuite, tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé et qui l'a fait exister. Il n'y a rien qui existe. Parmi ce qui existe, accepter que c'est Allah qui l'a créé, qui l'a voulu. Hein? Et donc ça, c'est les principes de la foi en Al-Qadar. Ça, c'est un résumé. Maintenant, on va détailler en détail, on va donner les exemples détaillés de chacun de ces points-là. Ça, c'est les quatre points qu'on mentionne parmi les degrés de la foi en la prédestination. Et c'est obligatoire de croire en ces quatre points-là. Donc c'est très important de les connaître. On peut les résumer en disant Al-Ilm, c'est-à-dire la science, Al-Kitaba, l'écriture, Al-Mashi'a, c'est-à-dire la volonté, et Al-Khalq, donc la création. Donc c'est les quatre points et les quatre fondements de la foi en la prédestination. Non. Donc, le chef il résume. Il dit, فَالْإِيمَانُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ يَتَضَمَّنُ أَرْبَعْ مَرَاتِبِ الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى الْإِيمَانُ بِعِلْمِ اللَّهِ الْأَزَلِي بكل شيء وأنه يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وعليكم السلام ورحمة الله أحاط بكل شيء علما والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فالإيمان بأن الله عالم بكل شيء لا بد منه ومن جحد علم الله فهو كافر نعم. Donc le premier point, c'est de croire que Allah, il a la science et la connaissance éternelle de tout ce qui se produit dans l'univers. Et qu'il sait ce qui a été dans le passé, et il sait ce qui ne s'est pas produit,
Et si cette chose-là s'était produite, comment elle se serait produite, hein? Et il sait également ce qui va arriver dans l'avenir. Donc, il n'y a rien qui est caché d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a rien qui lui est inconnu. Donc, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir et il connaît même ce qui est impossible, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne s'est pas produit et il sait que si ça s'était produit, qu'est-ce qui aurait arrivé, qu'est-ce qui serait arrivé si ça s'était produit. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui est caché. Et le cheikh, il dit ensuite, il donne des versets à ce sujet-là. N'as-tu pas vu, hein, ne vois-tu pas que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qu'il y a dans les cieux. Il connaît toute chose qui est dans les cieux et sur la terre. Et il mentionne un autre verset qui dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a enveloppé toute chose de sa science. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui soit caché de lui. Dans la terre, sur les cieux et dans la terre. Dans les cieux et sur la terre. Donc il n'y a rien qui est caché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, il cite un autre verset qui dit, Allah, il n'y a rien qui lui est caché dans les cieux et sur la terre. Ou bien sur la terre et dans les cieux. Il n'y a rien du tout qui soit caché pour Allah subhanahu wa ta'ala, ni sur la terre ni dans les cieux. Et il mentionne un autre verset aussi qui dit, c'est lui le premier et c'est lui le dernier. Et c'est lui, al-zahir wa al-batin. C'est-à-dire, c'est lui qui est au-dessus de toute chose, et c'est lui qui est plus près de toute chose que, il n'y a personne qui est plus près de quelque chose que lui-même. Hein, donc, il est le premier, il n'y a rien avant lui. Il est le dernier, il n'y a rien après lui. Il est au-dessus de tout, il n'y a rien au-dessus de lui. Et il est plus près de toute chose, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid. Il est plus près de toi-même que ta veine jugulaire, donc ça veut dire par sa science, hein, il est plus près de toi par sa science, par sa connaissance, par le fait qu'il voit tout et qu'il entend tout, il est plus près de la création qu'elle-même, hein. Donc ça c'est les explications à ce sujet-là. Wa huwa bi kulli shay'in 'alim, et il a la science de toute chose, à propos de toute chose. Donc ça c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a cette science qui est parfaite et éternelle. Fal-iman billah, donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme condition, il faut croire, pour croire en Allah, il faut croire qu'il a cette connaissance de toutes choses. Et c'est obligatoire et c'est nécessaire. Si quelqu'un dit, je crois en Allah, mais je ne crois pas qu'il sait tout, alors il n'a pas cru en Allah, il est kafir. Parce qu'il a rejeté la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est le premier point, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut croire que Allah sait toutes choses. Et ça c'est le premier point qui a rapport avec la prédestination. Le deuxième point qui a rapport avec la prédestination, parmi les choses qui ont rapport avec la foi à la prédestination, c'est que le cheikh il dit al-martabatu thaniya anna Allah kataba fi al-lawh al-mahfuz kull shay'in falladhi yunkiru al-kitaba fi al-lawh al-mahfuz lam yakun mu'minan billah ولم يكن مؤمنا بالقدر. Le cheikh il dit, comme deuxième point, que tu dois croire, hein, tu dois croire que Allah a tout écrit ce qui va se produire dans l'univers, dans les tables préservées. Et celui qui rejette ou qui refuse de croire en l'écriture qui a été écrite dans les tables préservées, alors il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala et il n'a pas cru en la prédestination. Donc c'est une condition, il faut croire non seulement que Allah sait tout, sait toute chose, mais aussi qu'il a tout écrit. Et tout ce qu'il a, tout ce qui doit se produire est écrit déjà. Troisième condition, al-martabatu thalitha iradatu Allah wa mashi'atuhu lil ashya fa kullu shay'in yaqa' wa yujad fa huwa bi iradati Allah. Donc وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. ما شاء الله. جمال إمالك. صباح. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. Donc le troisième point c'est que tu dois croire
que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se produit dans l'univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Ok? Tout ce qui se produit dans l'univers, c'est Allah qui l'a voulu. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut se produire sans la volonté d'Allah et sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelque chose est arrivé dans ta vie, ou dans le monde, ou dans le ciel, ou sur la terre, ou dans n'importe où dans l'univers, si cette chose-là s'est produite, c'est parce que Allah l'a voulu, et que ça fait partie de sa volonté. Pourquoi? Hein? Parce que si Allah ne l'aurait pas voulu, ça ne se serait pas produit. Si Allah ne l'avait pas voulu, ça ne pouvait pas se produire. Et même si tu veux faire tout pour que quelque chose se produise, si Allah ne veut pas, ça ne va pas se produire. Peu importe qui se met avec toi pour t'aider. Même si tous les êtres humains sur la terre se mettent ensemble pour faire quelque chose, et Allah ne veut pas que ça se produise, ça ne va pas se produire. Bien sûr, c'est sûr que tout ce qui se produit dans l'univers, c'est comme on l'a dit, c'est Allah qui l'a voulu et qui l'a permis. Mais il faut bien comprendre à ce point-là justement que ce n'est pas tout ce que Allah a voulu que Allah aime. Il y a des choses qui vont se produire dans l'univers, Allah ne les aime pas. Et nous, on a une façon de savoir ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas. C'est quoi cette façon? La révélation, ce qu'Allah a révélé. Et c'est pour ça que les ulama ils font une distinction entre les deux volontés. Al-irada al-kawniya et al-irada al-shar'iya. Al-irada al-kawniya, c'est qu'est-ce qui s'est produit. Et que ça s'est produit donc c'est Allah qui l'a voulu, c'est certain. Puisque si Allah n'aurait pas voulu, ce ne serait pas produit. Et al-irada al-shar'iya, ça peut se produire ou ça peut ne pas se produire. D'accord? Et donc quand vous lisez dans le Coran par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de quelque chose. Si ça ne s'est pas produit, c'est parce que ça fait partie de al-irada al-shar'iya. Si ça peut se produire ou non, ça fait partie de al-irada al-shar'iya. Exactement, exactement. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Iblis existe. Et Iblis, si Allah ne voulait pas qu'il existe, il ne pourrait pas exister. Hein? Et le péché et le kufr et le shirk, et le mal et les par exemple qu'est-ce que le frère a mentionné tout à l'heure, les attentats terroristes ou bien kamikazes, des choses comme ça, si Allah n'avait pas voulu, n'avait pas permis, ça ne se serait pas produit. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit à des gens de faire ces actions-là, mais il a permis que des choses qu'il a interdites se produisent. Parce qu'il a une sagesse et il a un plan, il a un but pour cet univers, pour cette création, qui est bon. Et le but c'est de tester les êtres humains et de les éprouver les uns par les autres. Hein? Donc, si Allah n'avait pas repoussé un peuple par un autre, la corruption serait répandue sur la terre. Donc c'est un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse dans tout ce qu'il fait. D'accord? Et donc, il y a beaucoup de points à dire là-dessus, on va y revenir, Inch'Allah. Ensuite, le cheikh, il dit, parce que c'est ça, il y a une différence entre nous et les anges. C'est que les anges, eux, ils n'ont pas de choix ou de volonté. Ils sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tandis que nous, les êtres humains, on est devant, wa alaykum salam, on est devant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une volonté. Hein, et il nous donne une capacité également et un choix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un peut se soumettre ou refuser de se soumettre. Contrairement aux anges qui sont obligés de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'avait pas ce choix-là entre les deux, ça veut dire que nous, on serait uniquement capable de faire ce que Allah a ordonné, hein. Et donc il n'y aurait pas de test pour nous, puisqu'on ferait uniquement ce que Allah aime et ce qui est bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu ça. Il a voulu que certains êtres humains fassent des péchés et désobéissent à sa volonté pour faire en sorte qu'il y ait un test pour voir qui va être pour le bien, qui va être pour le mal, qui va être avec les messagers et qui va être contre les messagers. Qui va défendre la justice et la révélation, et qui va s'opposer à la justice et à la révélation.
Donc c'est ça le principe. Et celui qui aura fait le bien et qui aura cru, il sera récompensé. Et celui qui a aura désobéi et refusé de croire, eh bien il aura la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc tout ça, il y a une sagesse derrière. Hein? Et le cheikh, il dit comme quatrième point également, il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les choses qui, ce qui se produit, c'est lui qui l'a créé. Que ce soit bien, que ça nous paraisse comme étant bien ou que ça nous paraisse comme étant mal. Pourquoi je dis que ça nous paraisse? Parce que quand quelque chose est mal ou qu'on voit quelque chose qui est mal dans l'univers, c'est uniquement mal par rapport à nous, les êtres humains. Parce que pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait est bon. Il n'y a rien que Allah fait qui est mauvais. Mais ce mal qu'on voit nous, c'est seulement un mal qui est relatif par rapport à notre point de vue, à nous en tant qu'êtres humains et de créatures. D'accord? Donc, le cheikh il explique ça. Il dit « Al-martabatu al-rabi'a, khalq al-ashiya, fakullu shay'in fi hadha al-kawn huwa min khalq Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloon. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Fakullu shay'in fi hadha al-kawn, فهو من خلقه سبحانه وتعالى من خير أو شر من كفر من كفر وإيمان وطاعة ومعصية وغنى وفقر أو فقر ومرض أو صحة وحياة أو موت إلى غير ذلك ولكن الشر بالنسبة إليه لا يكون شرا لأنه خلقه لحكمة ووضعه في موضعه فهو بالنسبة إليه ليس شرا وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه ومن قدر عليه بذنوبه ومعاصيه فإنه شر بالنسبة للمحل الذي يقع عليه أما بالنسبة لله فهو خير لأنه عدل منه سبحانه وتعالى فالحاصل أن كل ما يقع في هذا الكون فهو عدل ورحمة وخير من الله سبحانه وتعالى وإن كان ضررا وعقوبة وشرا بالنسبة لمن وقع عليه ذلك. Donc le cheikh explique ici comme quatrième point que ça c'est le quatrième degré par rapport à la foi en la prédestination, c'est que tu dois croire que tout ce qui se produit dans l'univers et tout ce qui existe c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit bien ou mal, d'accord. Ça veut dire que tout ce qui existe dans cet univers-là, c'est Allah qui l'a créé. Allah il dit dans le Coran, « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloon » Allah vous a créé et ce que vous faites aussi. Donc il vous a créé vous et ce que vous faites. Et il dit aussi, « Wallahu khaliqu kulli shay' wa huwa ala kulli shay'in wakil » Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses et il est garant de toutes choses. Le cheikh il dit, « Allahu khaliqu kulli shay' wa huwa ala kulli shay'in wakil » Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses et il est garant de toutes choses. C'est-à-dire c'est lui qui s'occupe de tout. Chaque chose dans cette création, c'est lui qui est son garant. C'est lui qui s'en occupe. Hein? Et le cheikh il dit donc que tout ce qui existe dans l'univers, c'est Allah qui l'a créé. Il n'y a pas un créateur pour le bien et un créateur pour le mal. Comme certains parmi les gens de shirk, les mushrikines, ils croient qu'il y a un Dieu qui a créé le bien puis un Dieu qui a créé le mal. Et parmi les chrétiens, il y en a qui croient que le diable c'est le dieu du mal, puis Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a créé le bien. Hein? Donc ils croient qu'il y a deux dieux. Et ils pensent que le diable c'est l'opposé négatif de Dieu. Hein? Ils pensent que c'est le dieu du mal. Alors que c'est faux, c'est une créature minable qu'Allah a créée. Hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent comme ça. Hein? Pas tous les chrétiens, mais beaucoup de chrétiens croient comme ça. Alors que Iblis, la'anahullah, c'est un djinn créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a refusé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à cause de ça, il a été rejeté hein, et châtié, puis il est maintenant parmi les maudits jusqu'au jour de la résurrection et il essaie d'égarer les êtres humains. Hein, et c'est ça son travail, c'est ça son travail jusqu'au jour de la résurrection. Mais c'est un djinn, une créature faible. Hein? Il peut pas s'opposer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut rien faire contre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est une créature de Dieu. Il est faible devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est rien devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Hein? Donc ça c'est très important de comprendre. Et donc il n'y a pas un Dieu pour le bien et un Dieu pour le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. Qu'est-ce qui est bien? C'est Allah qui l'a créé. Qu'est-ce qui nous paraît mal? C'est Allah qui l'a créé aussi. Tout ce qui existe, parce qu'il n'y a pas deux créateurs, ou trois créateurs, ou quatre créateurs, ou cinq créateurs, ou dix créateurs. Hein? Il y a un seul créateur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé. Qu'est-ce qui existe? Si ça existe, c'est Allah qui l'a créé. N'importe quoi. Tout ce que tu peux imaginer dans ta tête. Tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé. Et tout ce que toi t'as inventé, ou qu'est-ce que les êtres humains ont fabriqué avec leurs mains, ça aussi, c'est Allah qui l'a créé. Parce que si Allah ne t'avait pas donné la raison et la capacité pour le faire, tu n'aurais pas pu le faire. C'est Allah qui t'a donné la volonté et la capacité de le faire. Et c'est lui qui l'a créé, donc. D'accord? Et donc, ça c'est important de comprendre ça. Et le chef, il explique ça pourquoi? Parce que tout ce qui est, il y a des gens qui s'imaginent ça souvent. Il y a un Dieu qui fait le bien, il y a un Dieu qui fait le mal. Ça c'est vraiment grave. Ça c'est une forme de shirk. Tu associes d'autres avec Allah dans la création. Donc, il y a un seul créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et il a créé le bien, il a créé le mal, il a créé le kufr, il a créé la foi, et il a créé la mécréance aussi, hein. Il a créé l'obéissance, et il a créé le péché aussi. Il a créé la richesse, et il a créé la pauvreté aussi. Il a créé la maladie, et il a créé la guérison aussi, et la santé. Il a créé la mort, et il a créé la vie et la mort. Donc, tout ce qui existe, que ça nous paraisse bien ou que ça nous paraisse mal, c'est Allah qui l'a créé. Hein? Donc, tout ce qui existe, c'est créé par Allah. Ça, c'est important, c'est fondamental de comprendre ça. Toutefois, le cheikh, il explique toutefois, le mal, par rapport à Allah, c'est pas quelque chose de mal. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. C'est que, quand on dit que Allah a créé le mal, ça, c'est par rapport à nous. Parce que pour Allah, c'est pas un mal, c'est un bien. Parce qu'il a créé pour une sagesse, et pour un but, et pour une raison. Hein? Je vous donne un exemple. Si je te dis, par exemple, tu vas aller chez le dentiste, puis on doit t'arracher une dent. Tu te fais arracher une dent. Est-ce que c'est bien ou mal? Ça te fait mal. Sauf que, si je te dis, si tu n'arraches pas cette dent, tu vas avoir plus mal encore. Qu'est-ce qui est mieux? De l'arracher, et d'avoir un peu mal, puis après ça, t'as plus mal? Ou bien de la garder, puis après ton mal il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Hein? C'est sûr. Si par exemple je te dis, t'as une blessure dans ta jambe. Soit que je coupe ta jambe, puis tu gardes le reste de ton corps, tu vas être correct. Après tu vas mettre une prothèse ou une fausse jambe. Ou bien, je te laisse avec ta jambe, avec la blessure, mais après, ça va s'empirer, ça va monter partout dans tout ton corps, et après tu vas mourir. Hein, comme la gangrène ou quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qui est pire? Lequel des deux est mal? C'est sûr que de te faire couper la jambe, c'est mal. Hein? Mais qu'est-ce qui est plus mal? De perdre un morceau de ta jambe, ou de perdre tout ton corps complet? De perdre tout ton corps complet. Donc c'est pour ça que quelque chose peut te paraître mal à toi, puis en réalité, par la suite, c'est quelque chose qui est un bien, parce que dans ce mal-là, il y a du bien aussi. C'est pour ça que quand on dit que Allah a créé le mal, Allah n'a rien créé qui est complètement mal à 100%. Il y a toujours quelque chose de bien dedans. Sauf que le mal est par rapport à nous, pas par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque pour lui, il a fait que ce mal existe là pour quelque chose de bien par la suite. Mais nous, des fois, on s'en aperçoit pas tout de suite au premier coup. On s'imagine que c'est mal. Parce que c'est par rapport à notre niveau. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, qui a tout organisé dans l'univers, qui a tout planifié dans l'univers, qui a une sagesse pour tout ce qu'il a créé, pour lui, ça paraît quelque chose de bien. Donc c'est ça, oui. Donc c'est pour ça, c'est des exemples comme ça qui te fait voir que des fois tu vois quelque chose de mal qui t'arrive dans ta vie, puis tu t'imagines que c'est mal, puis par la suite tu réalises que c'était planifié comme ça, Allah avait fait ça pour une sagesse justement, pour un bien pour toi. Et la même chose pour un mal aussi qui peut t'arriver parfois il t'arrive quelque chose de bien, et toi tu t'imagines que c'est bien, alors qu'en réalité c'est quelque chose de mal pour toi. Hein? Donc, oui, il y a un verset comme ça dans le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, peut-être que vous voyez quelque chose et vous pensez que et vous aimez quelque chose alors que c'est mauvais pour vous. Et parfois, des fois, tu détestes quelque chose alors que c'est bon pour vous. Hein? C'est bon pour toi.
وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ouais, c'est ça, oui, oui. Ça, c'est dans les premiers cours qu'on avait fait. Ça, c'est au début, là, quand il disait, par exemple, il y a des frères qui m'ont dit pourquoi on met pas ces cours-là en livre pour le publier. Et puis, lui, le cheikh, il a dit, bah, j'ai vu qu'il y avait plusieurs déjà qui avaient écrit des livres de charh sur ce livre-là, sur Kitab al-Tawhid. Donc, lui, le cheikh, il ne voyait pas l'intérêt de le refaire. Et puis, par la suite, comme tu dis, il a dit ça justement au début. « Illa annaha kathurat alayya at-talabat ala fi dhalika, qultu la'alla fi tahqiq raghbati ashabiha khayran, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, fa adhantu bi tafrigh al-ashrita wa kitabati ma fiha, wa ashraftu ala dhalik, wa hadhabtuhu wa naqahtuhu. » Donc toi, c'est ça qu'il a dit le cheikh quand il a accepté qu'on transcrive les cassettes audio, puis après ça il les a révisées, puis il a fait quelques corrections et tout, et après ça il a accepté qu'on publie le livre. Et nous on est ici à Montréal en train de le lire et de le traduire en français. Donc non seulement le cheikh il a les hassanat d'avoir fait le dars, il a les hassanats d'avoir, que les frères ont transcrit ce livre-là, ils l'ont mis en livre. Ensuite, il a les hassanats pour tout le monde qui l'ont lu, et il a les hassanats pour le daf qu'on est en train de faire, et il a les hassanats aussi pour les gens qui sont des francophones qui vont écouter la signification des explications qu'il a données. Et Inch'Allah, ça va continuer comme ça. Hein? Donc, Mashallah. Donc, que Allah le récompense, et il nous donne le bien, et puis il donne une longue vie pour le bien, Inch'Allah. Donc, comme on expliquait, c'est ça qui est important de comprendre, que tout ce qui arrive, c'est par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un mal. C'est uniquement un mal pour celui à qui ce mal-là arrive. Et ça fait partie de ce qu'Allah lui a prédestiné à cause de ses péchés et de ses désobéissances. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il te fait tomber des punitions et des châtiments à cause de ta désobéissance. Hein? Et il dit, et c'est mal aussi par rapport à l'endroit ou au lieu où ce mal-là se produit. Mais par contre, pour Allah, ou par rapport à Allah, c'est quelque chose de bien parce que Allah est juste, subhanahu wa ta'ala, et c'est une justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tout ce qui arrive dans l'univers, c'est uniquement par la justice d'Allah, par sa miséricorde, et c'est un bien qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ça nous cause du tort, ou même si c'est un châtiment, ou même si c'est un mal par rapport à celui sur qui ce mal-là arrive. Hein. Donc si t'arrives quelque chose de mal, ou si t'arrives une punition, ou si t'arrives quelque chose, c'est un bien. Même si tu penses que c'est un mal, c'est un bien parce que Allah il a fait que cette chose-là t'arrive par sa miséricorde, par sa justice, et par sa sagesse. Donc il faut vraiment avoir cette conviction-là dans notre cœur. Ensuite, le cheikh il dit فالحاصل أن كل ما يقع في هذا الكون فهو عدل ورحمة وخير من الله سبحانه وتعالى وإن كان ضررا وعقوبة وشرا بالنسبة لمن وقع عليه. هذه مراتب الإيمان بالقدر، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها كلها. أما القدرية النفاة فهم على قسمين والعياذ بالله. القسم الأول هم القدماء منهم الذين ويسمون غلاة القدرية، فإنهم ينكرون علم الله ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وإنما يعلمها إذا وقعت وحصلت، وينكرون علم الله القديم الأزلي بالأشياء قبل كونها، فيكونون بذلك قد كفروا وخرجوا من الملة، لأنهم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، ومن أنكر علم الله فهو كافر. Donc le cheikh il dit que ça c'est les 4 degrés qui ont rapport avec la foi à la prédestination. Il faut croire en ces 4 degrés là. Le premier c'est la science, que Allah sait tout éternellement, il avait toujours su. Deuxièmement, qu'il a tout écrit. Troisièmement, tout ce qui arrive, c'est parce qu'il l'a voulu. Et quatrièmement, tout ce qui existe, c'est lui qui l'a créé. Il n'y a pas d'autre créateur avec lui. Donc ça, c'est les 4 points.
il faut comprendre ces quatre points-là pour croire en la prédestination. D'accord? Je les répète encore une fois pour que vous les notiez bien, pour que vous vous souveniez comme il faut, parce que c'est fondamental de les comprendre. La connaissance infinie d'Allah est éternelle, qu'il savait tout éternellement. Deuxièmement, il a tout écrit. Troisièmement, tout ce qui arrive, c'est parce qu'il a voulu, donc c'est sa volonté. Et quatrièmement, tout ce qui existe, c'est lui qui l'a créé. Ça, c'est le quatrième point, c'est fondamental de comprendre ça. Si tu as compris ça et que tu as cru en ça, tu es sauvé de toutes les formes d'égarements qui sont reliées à la question de la prédestination. Oui. La connaissance, l'écriture, la volonté et la création. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois la question? Vous avez compris sa question? Ok, bah en tout cas, je vais reformuler sa question pour lui. Le frère Jamal, il nous demande la question. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il sait déjà la destination de chacun d'entre nous, est-ce qu'on va aller au paradis ou en enfer? Donc pourquoi dans ce cas-là, il ne fait pas en sorte que tout le monde, par exemple, soit dans une seule direction? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, ok, et il ne va pas donner à quelqu'un excepté ce qu'il mérite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés sur cette terre et c'est un test pour nous. Et en même temps, c'est pour établir sur nous la preuve contre nous de nos actions. Hein? Et c'est comme on dit, c'est comme quelqu'un peut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il aurait voulu, il aurait pu créer des gens déjà et les mettre dans l'enfer direct. Il aurait pu aussi créer des gens et les mettre direct dans le paradis. Ceux qui sont dans le paradis n'auraient jamais critiqué quoi que ce soit puisqu'ils seraient bien contents d'être là déjà. Tandis que ceux qui sont dans l'enfer, eux, ils auraient pu dire comme argument, oh Allah, pourquoi tu nous as mis ici? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il savait, mais parce que vous auriez mérité ça déjà de toute façon. Alors, il n'y avait pas besoin de vous faire vivre une vie sur la terre pour savoir, je le savais déjà. Donc je vous ai mis là déjà. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il aurait fait ça, ça aurait été une justice de sa part. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu nous établir une preuve contre nous-mêmes, pour que quelqu'un qui soit sur le droit chemin et qui va aller au paradis, il aura la preuve que c'est réellement lui-même qui a mérité ça par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui a été puni par l'enfer, il est puni par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui-même qui a refusé de se soumettre et de suivre la voie des messagers. Tu comprends? Mais il y a une chose importante à comprendre, c'est que si quelqu'un par exemple meurt quand il est petit ou quand il est un enfant, ou qui meurt parce qu'il était aveugle, sourd et muet, il n'a pas entendu le message, ou bien qu'il vivait dans une contrée ou dans un peuple éloigné, dans la jungle ou quelque part, il n'a jamais entendu parler d'un prophète ou d'un messager ou d'un livre révélé par Allah, il vit toute sa vie dans l'ignorance et après ça il meurt. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va pas les mettre en enfer avant de les tester au jugement dernier. Eux, ils vont avoir un jugement spécial au jour de la résurrection parce qu'ils n'ont pas reçu de messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. On va pas punir quelqu'un tant qu'il n'a pas reçu un messager. Donc ces gens-là vont être testés et ils vont avoir un messager spécial pour eux au jugement dernier. D'accord? Tandis que les enfants des musulmans, s'ils meurent, ils vont au paradis, direct. D'accord? Et bien entendu, à ce sujet-là, il y a des divergences entre les ulama et l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya, il a un livre qui s'appelle Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah. Et dans ce paradis-là, dans ce livre-là, il fait la description du paradis et de tout ce qui a rapport avec la vie après dans le paradis, et ainsi de suite. Et il parle en détail des questions de divergence qui ont été mentionnées justement au sujet des gens qu'on appelle Ahlul al-Fatra, c'est-à-dire ceux qui sont nés avant la venue du prophète, avant la venue d'un prophète, qui n'ont pas reçu le message, qui sont morts dans l'ignorance et des choses de ce genre, ou bien ceux qui sont nés, qui sont éloignés, qui n'ont jamais entendu parler de l'islam ou des messagers, qu'est-ce qui va arriver avec eux? Eux, ils auront un test spécifique pour eux seulement. Ok, donc la connaissance et l'écriture, tout ça, ça c'est les principes de la prédestination. Ensuite, le cheikh, il mentionne la secte des Qadariyya.
Al-Qadariya. Al-Qadariya, qui ils sont? Ce sont les gens qui nient la prédestination. Ce sont une secte. Une des sectes qui ont dévié, qui se sont égarés de l'islam. Ok? Il y en a parmi eux qui sont en dehors de l'islam complètement, et il y en a qui ont pas sorti complètement de l'islam, mais ils sont quand même égarés par rapport à la prédestination. Hein, Jamal? Tu m'écoutes? Hein, bon. Ok. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que la prédestination, les gens qui ont nié la prédestination sont divisés en deux degrés, ou en deux catégories. Il y a la première catégorie, qui sont les anciens, les premiers qui font partie de cette secte-là, les premiers qui sont apparus, qui sont les extrémistes parmi les Qadariyas, ceux-là, ils nient la science d'Allah éternel. Donc eux, ils disent, Allah ne savait pas tout éternellement. Eux, ils disent que Allah savait juste les choses après qu'on les a faites. Ceux-là sont des koufars, ceux-là sont en dehors de l'islam, parce qu'ils nient une des attributs et un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc à cause de ça, ils sont koufars. Parce que celui qui nie que Allah a la science éternelle de toutes choses, avant qu'elles arrivent, alors ceux-là sont des koufars, et ils ont mécru à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont nié la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quiconque nie que Allah a la science éternelle, alors il est kafir. Il y a une autre catégorie parmi les Qadariyas, c'est ce qu'on appelle un autre, ils n'ont pas un nom spécifique, il y a plusieurs groupes parmi ces gens-là. Ceux qui, par exemple, disent que oui, Allah a la science éternelle, toutefois on ne croit pas nécessairement en la prédestination de chaque personne. Donc le cheikh dit « Al-Qism al-Thani huwa man yuqirru bi'ilmi Allah al-Azali » ولكن يقول إن الله لم يقدر هذه الأشياء وإنما الناس هم الذين يفعلونها ويستقلون بإيجادها وخلقها كل يخلق فعل نفسه وهؤلاء أخف من الأولين ولكنهم ضلال لأنهم أنكروا خلق الله وهم متأخر القدرية ولذلك سموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس يقولون إن الكون له خالقان خالق الخير والشر والمعتزلة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم الذين خلقوها أثبتوا خالقين كثيرين وصاروا شرا من المجوس لأن المجوس إنما أثبتوا خالقين وهؤلاء أثبتوا خالقين كثيرين. Le cheikh il dit qu'il y a une deuxième catégorie parmi les gens qu'on a dit, comme on a expliqué tout à l'heure, il y a une deuxième catégorie parmi les Qadariyas, c'est ceux qui reconnaissent la connaissance éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils nient que Allah est prédestiné les choses, et ils croient que les êtres humains sont indépendants de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est eux-mêmes qui font leurs propres actions et qui créent leurs propres actions. Donc, il croit que chaque personne crée son propre destin et crée ses propres actions. Hein. C'est pas Allah qui les a écrits ou prédestinés ou des choses de ce, qui les a créés. Donc ça, c'est une catégorie qui est moins grave ou moins égarée que les premiers, parce que les premiers sont des koufars. Donc, cette catégorie-là sont pas nécessairement en dehors de l'islam, mais ils sont quand même des égarés qui sont dans les gens de bid'a. Ok, et ça c'est une catégorie de Qadariya qui sont apparus plus tard par la suite. Et le cheikh il dit donc que on les appelle les Majus de cette Ummah. On les appelle les Majus de cette Ummah, pourquoi? Parce que les Majus, ils croyaient qu'il y avait un Dieu du bien et un Dieu du mal, un créateur du bien et un créateur du mal. Et eux, ces gens-là, ces Qadariya, cette deuxième catégorie-là parmi les Qadariyas, ils disent que chaque être humain crée ses actions à lui, le bien et le mal. D'accord? Donc, le cheikh, il dit que la différence, c'est que les Majus, les gens de la religion des Majus qui croient en deux créateurs, eux, ils disent qu'il y a deux créateurs, un qui fait le bien et un qui fait le mal. Tandis que les Mu'tazila, qui font partie de cette catégorie de Qadariyas, qui nient la prédestination, ceux-là, ils disent qu'il y a plusieurs créateurs, c'est-à-dire chaque être humain est un créateur de ses actions à lui. Et donc, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé les actions des créateurs, c'est eux-mêmes qui créent leurs propres actions, et donc ils ont affirmé plusieurs créateurs.
Et donc, dans ce sens-là, ils sont pires que les Majus à cause de ça, puisque les Majus, eux, se sont limités à affirmer deux créateurs, tandis que eux, ils affirment plusieurs créateurs. Et en passant aussi, les Shi'as font partie de ces gens-là. Les Shi'as, toutes les sectes des Shi'as, peu importe lesquelles, que ce soit les Rafidah ou les Zaydiyah ou les autres sectes parmi les sectes chiites, ils sont tous dans la croyance dans qu'est-ce qui a rapport avec la croyance en Allah et en ses noms et en ses attributs et en la prédestination, ils sont avec les Mu'tazila dans ces choses-là. Donc ils nient la prédestination. Et le cheikh ici, il mentionne une catégorie de ceux qu'on appelle les Qadariyah et qui ont dévié au sujet de la prédestination parce qu'ils nient la prédestination, mais il y a aussi une autre catégorie de gens qui ont dévié dans la prédestination et c'est ceux qu'on appelle Al-Jabriyah. Et Al-Jabriyah, c'est ceux qui ont exagéré dans l'affirmation de la prédestination, au point d'aller jusqu'à nier la volonté et la capacité de la créature. Et ceux-là, c'est comme par exemple les extrémistes parmi les Jahmiyyah et parmi les Soufiyyah également. Parmi les Soufiyyah, il y en a des gens comme ça qui croient en Wahdatul Wujud et qui croient en d'autres de ces principes-là, comme les Soufiyyah. Et eux, ils disent, nous sommes tous dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est comme une feuille dans le vent et on fait juste se laisser pousser dans n'importe quelle direction que la prédestination nous pousse. Donc c'est comme si en voulant dire, on a plus de volonté, notre volonté c'est de faire ce que Allah nous force de faire. Et donc c'est comme s'ils essayaient de dire en même temps qu'ils s'oublient eux-mêmes, ils oublient leur volonté, dans le sens qu'ils font juste quelque chose et croient que ça c'est, que tout ce qu'ils font, que ce soit bien ou mal, c'est Allah qui leur force. Et les forces de le faire. Et ça, c'est la croyance de certains parmi les égarés, les hérétiques parmi les soufis. Et il y a aussi des gens parmi les musulmans aujourd'hui qui disent les paroles de ces gens-là, parfois même sans s'en apercevoir. Comme par exemple des gens qui disent, par exemple, Inch'Allah, quand Allah va vouloir, je vais faire la salat. Ou Inch'Allah, quand Allah va vouloir, je vais mettre le hijab. Des choses comme ça. Et donc, ils essaient de se baser sur la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu l'obéisses, puisqu'il a ordonné à tous les êtres humains de l'obéir. Et on le sait parce que c'est écrit dans le Coran. Donc, quand tu dis qu'Allah va vouloir, c'est comme si tu étais en train de dire qu'Allah, il ne veut pas que tu l'obéisses. Et ça, c'est un mensonge, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a montré, il t'a fait savoir qu'est-ce qu'il veut de toi dans le Coran. Donc, c'est cet argument-là de la part de ces gens-là, c'est un des arguments des mouchriquins parmi les gens qui niaient ou bien qui affirmaient d'une façon mensongère la prédestination. Donc, le chef il n'en a pas parlé ici, mais on va probablement y revenir aussi plus tard. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Et le cheikh il dit, pour terminer, on va finir avec ça, inshallah, il dit وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمْ أَنْ يَدْخُلَ فِي تَفَاصِيلِ الْقَدَرْ وَيَفْتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الشُّكُوكِ وَالْأَوْهَامِ بَلْ يَكْفِيهِ أَنْ يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَمَا أَخْبَرَ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره ولا يدخل في التفاصيل والأسئلة لماذا ولماذا ولماذا كذا ولماذا كذا لأنه لن يصل إلى نتيجة لأن الأمر كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما القدر سر الله سر لا يعلمه إلا الله فالواجب علينا أن نؤمن به ولا ندخل في تفاصيل وفي تفاصيله بل نكتفي بالإيمان به على ما جاء في الدليل من الكتاب والسنة. Le cheikh il dit que il n'est pas permis pour le musulman de rentrer dans les détails au sujet de la prédestination et d'ouvrir pour soi-même la porte des doutes et des suppositions. Il faut que tu te suffises ou que tu te limites à
croire en la prédestination comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'y croire. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné également, il nous a informé de la prédestination et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne doit pas rentrer dans les détails et de rentrer trop dans les questionnements. Pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi Allah a fait ci, pourquoi Allah a fait ça. Parce que si tu rentres dans les questions comme ça, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi Allah a fait ci, pourquoi Allah a fait ça, tu risques de tomber dans l'égarement et tu risques de ne jamais arriver de toute façon à aucune conclusion et aucun résultat de toute façon, parce que cette question de la prédestination, comme Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma l'a dit, que la prédestination, c'est le mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un secret que seul Allah connaît. Al-Qadaru Sirrullah. Sirrullah, ça veut dire c'est le mystère d'Allah, c'est le secret d'Allah. Personne ne peut le comprendre ou le connaître parfaitement, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque c'est relié à la connaissance d'Allah, et à sa sagesse, et à sa toute-puissance. Est-ce que tu es capable de comprendre la connaissance d'Allah? Est-ce que tu es capable de comprendre la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc, tu ne peux pas comprendre non plus sa prédestination. Donc, si tu essaies de rentrer dans les détails à ce sujet-là, et de philosopher, hein, comme les philosophes à ce sujet-là, c'est certain que tu vas t'égarer. C'est certain que tu vas tomber dans l'égarement. Parce que tu ne peux pas comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh nous dit donc, c'est obligatoire pour nous de croire en la prédestination et de ne pas rentrer dans les détails et dans les petits détails et de se limiter à croire en ce qui est révélé avec la preuve du Coran et de la Sunna. وعلينا العمل بطاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه وهذا الذي كلفنا به ولم نكلف بالبحث عن القدر ولا نترك العمل ونقول ما قدر لنا سيحصل فسيحصل ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أحد مقرر مكانه من الجنة أو من النار قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وأنزل الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فأنت المطلوب منك العمل والإيمان بالقضاء والقدر وأنت قادر على العمل وممكن من العمل فعليك أن تعمل الخير وتترك الشر وتتوب من السيئات وتكثر من الحسنات وهذا هو المطلوب هذا المطلوب منك أما البحث في هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والدخول في هذه المخاصمات فهذا يؤدي إلى الضلال ويؤدي إلى التيه لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا هذه الأشياء وإنما أمرنا بالعمل وهذا الذي أمرنا الله به وأمرنا بالإيمان وأمرنا بالعمل وهذا هو المطلوب من المسلم. Donc le cheikh il dit pour terminer que qu'est-ce que Allah nous demande à nous, c'est de l'obéir et de respecter et de suivre ses ordres et de s'écarter de ce qu'il nous a interdit. Et c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Il ne nous a pas chargé de chercher au sujet de la prédestination et d'abandonner les actions puis de rester assis sur notre chaise et de dire, de toute façon, Allah il nous a déjà écrit tout, donc on va rester assis, puis qu'est-ce qui est écrit, ça va nous arriver. Il ne nous a pas ordonné ça. Le cheikh il dit, c'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, chacun d'entre vous, sa place est déjà établie, soit dans le paradis ou soit dans l'enfer. Alors, les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, si c'est comme ça, si chacun d'entre nous, sa place est déjà écrite, soit dans le paradis ou soit dans l'enfer, alors pourquoi on ne va pas dépendre juste sur qu'est-ce qui est écrit, hein, et attendre notre résultat et cesser d'agir, hein, on va rester assis, on ne bouge plus. On va juste attendre qu'on meure ou que le jugement dernier arrive, comme ça on va, puisque c'est déjà décidé, alors qu'est-ce qui va arriver? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, faites vos actions, faites les œuvres, et chacun sera
facilité pour ce pourquoi il a été créé. Ok? فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Fais tes actions. Toi, c'est ça qui est ordonné. C'est ça qu'Allah t'a ordonné d'agir. Fais ce qu'Allah t'ordonne. Écarte-toi de ce qu'il t'a interdit. Le reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'en charger. Mais mets ta confiance en lui et crois en ta justice. Hein? Et fais ce qu'il t'a ordonné, tu vas avoir ta récompense. Qu'est-ce que tu mérites? Et donc, yani, le cheikh, il mentionne par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset à ce sujet-là qui dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Je crois que c'est surat al-Layl. Hein? Donc c'est ça. Al-Layl. Et celui qui a obéi et qui a créé son créateur et qui a cru en le bien, alors nous allons lui faciliter la voie vers la facilité. Et celui qui a été avare et qui s'est il s'est senti suffisant à lui-même, il s'est passé d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il pensait qu'il n'avait pas besoin d'Allah, et il a traité de mensonge le bien, alors il sera facilité vers la difficulté, vers le mal. Donc, c'est pour ça que le cheikh dit que qu'est-ce qui est demandé pour nous, qu'est-ce qui nous est demandé, c'est d'agir, de croire en la prédestination et de faire des actions puisque tu es capable de les faire, puisque Allah t'a facilité, t'a donné la capacité de les faire, alors fais les œuvres. Fais le bien et laisse le mal. Et repens-toi à Allah quand tu fais du mal. Et essaie d'augmenter tes bonnes œuvres. Quand tu fais un péché, repens-toi à Allah, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, cesse de le faire et remplace tes mauvaises actions par des bonnes. Et c'est ça ce que Allah t'ordonne de faire. Mais de commencer à chercher les détails de la prédestination, alors que tu sais que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ces choses-là, et d'essayer de rentrer dans des disputes et dans des débats qui peut t'amener jusqu'à l'égarement et à te perdre, alors dans ce cas-là, ça c'est pas ça ce que Allah t'a demandé de faire, et il n'a pas demandé à aucun d'entre nous de faire des choses pareilles, de chercher des choses de ce genre, mais il nous a uniquement demandé de faire les actions qui sont nécessaires pour nous. Et c'est ça ce qu'Allah nous ordonne de faire et qu'il nous commande de croire et de faire les œuvres. Et c'est ça ce qu'un musulman doit faire. Donc on doit bien comprendre ces points-là aujourd'hui, ce sont des points très très importants dans les questions qui ont rapport avec la prédestination. Et puis, Inch'Allah, c'est juste pour terminer là-dessus, Inch'Allah. Le bien qui est dans le qadar, c'est que ça t'amène la paix et la stabilité dans ta foi et dans ta croyance et dans ta vie. Hein, et ça t'amène une certaine conviction, Yannick, dans ce que tu fais. Donc, c'est très très important et ça fait partie du tawhid, ça aussi. Donc, on va s'arrêter ici, on continuera ça demain, Inch'Allah. Donc, subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.